Et re tout le monde, c'est toujours Capitaine Flamme, toujours en compagnie de Robinator et de Benenut. Salut les gars. Enfin re surtout. La personne qui me répond, c'est génial. Où t'es? Et quelqu'un qui répond? Je suis là. Ah voilà. Bon, j'envoie l'intro et puis on se retrouve pour le combat, ça va bientôt démarrer. On est parti pour le combat. Malvadar Gendrick vient de donner le feu vert au combat, vient leur dire. On dirait que votre combat est un petit peu populaire, allez, ne tardons plus. Vous pouvez y aller, bonne chance à tous. Donc ça va être un des très très gros combats, puisqu'ils ont une compo de malade mental, surtout qu'il y a Pepe Sanjutsu, l'Enutrof qui était avec Summens, l'année où ils ont failli gagner, où Morej a failli sa fameuse déco en demi-finale qui a coûté le... qui a coûté le Gulta à Summens, donc elle était un peu dégoûtée depuis. Mais maintenant ça va, on dit plus, hein, quand quelqu'un se déco, on dit plus, ouais, tu fais tout Morej et tout ça. Enfin, avant c'était pareil. Et alors, on va faire un petit tour sur les teams. Donc du côté de E4, nous avons Slyler, donc le vainqueur de l'année passée. Donc le Samodas, nous avons Azadax, aussi vainqueur de l'année passée. Sadida, nous avons Tirs, le SRAM et Livio, le Steamer. Et alors du côté de Rikurem, nous avons Pepe Sanjutsu, les Nutroph, Floraida, le Panda, enfin la Panda, pardon, Ada Fede, Los Amodas et Metal Jean, la Roublarde. Ça va être épique ce combat. Ça va être juste monstrueux. Dans ce match, on voit enfin de l'optimisation des deux côtés, quoi. Ouais. Avec un Steamer en Strigide. Lequel? Il est là. Steamer en Strigide, ouais. Je vais essayer de faire ça, bon, ça va pas être très L'Onsa de Rikirel avec, je pense, une Aermin, vu qu'elle reste poussée, reste critique et reste. Ah, Toru qui sont les premiers tours, Steamer dans le camp, Bon, je fais ça vite fait pour que vous puissiez voir les résistances. Alors, du côté de Pepe Sanjutsu, un mode. Bon, presque 20 résistances partout avec un peu plus en terre et en agi. Du côté de Livio, peu de résistance. Par contre, là c'est bizarre. À moins qu'il s'est déjà pris des. Il a déjà pris les vulnés, ouais, non, c'est pour ça. Il a déjà pris les vulnés. Si vous après les vidéos, il avait de très belles raisons. Voilà. Alors, du côté de Floraida, 50% partout, puisqu'il a sa picole d'activer. Tirs, il a 12%. Lui aussi, je crois qu'il est niveau 20. Non, même pas. C'est bizarre. Lui, il n'a pas beaucoup de résistance, par contre. Enfin, si, c'est bien, il a des résistances 9. Metal Jean, aussi des belles résistances. Snyler, lui, zéro défaut, quoi, il n'y a rien à dire, à part en neutre, mais bon, on s'en fout, il n'y a personne qui tape neutre. Ada Fede aussi, très belle résistance, donc à part des deux Ossa, on a des superbes, un stuff vraiment très opti. Et Azadax, qui est aussi un très beau stuff. Voilà, donc on peut repartir. Snyder, il joue sûrement pas comme d'habitude. Ouais, mais Snyder, s'il joue comme l'année passée, ah, il a un peu plus de vita que l'année passée. Il joue avec Blanatel, hein, avec son TK, il n'y a rien à craindre. Il a pas fait Casnailer. Non, c'est avec son Master Rack. Ah ouais, Master Rack. Oh, il y a un petit peu de spectateurs. Alors, il invoque le Crack pour avoir encore plus de résistance. C'est 10 ou c'est 5%? Je sais jamais. C'est 5 par coup et 8% en CC. Ah ben voilà. 7. Donc là ça fait 12% à toute la team. Oh là là, regardez ça, l'hérésie de Snyder. Mais il y a 50 partout, il a 25% en neutre. D'accord. Regarde, et Azadax, putain, l'hérésie. Oh. Mon dieu. En fait, ils vont taper que dalle, hein, des deux côtés, ils ont tellement de résistance. Bon, il y a le panda du côté de E4 qui va faire la différence, je pense. Mmh.
il se passe pas grand chose. Et deux crackleurs des deux côtés histoire d'avoir l'hérésie. Voilà, donc là, juste les 10%. Je sais pas trop la bonne hermine. Ah non, moi ça, je peux pas. Enfin, jamais s'ils sont comme ça, ça me plaît pas du tout. Ah oui, pour avoir les grosses résistances avec le cag bizarre. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu pas le petit coup, quoi. J'ai des PM, j'ai un OPAPM en Hermine, t'as des grosses ailes, t'as un OSA, t'es cheaté. Bah t'as un OSA, techniquement, à part invoquer, t'es pas censé faire grand-chose, quoi, tu vois. C'est comme un Zobal, il se petit dommage de pousser, après, il s'en fout de taper fort. Hein. T'as beaucoup d'invoques avec une Hermine. Je sais pas, je saurais pas dire. Bah si tu pouvais aller voir, ce serait sympa. Moi je vais voir. Parce que moi pour le moment j'ai qu'un seul écran et mon deuxième écran qui va bientôt arriver. Il est dans le camion là, il est en train d'arriver, de France. Dans le camion ou l'avion, j'en sais rien. Dans la voiture. Ah la capitaine de Zavok. Bon ben retraite anticipée, direct. Enfin moi je préfère quand même les oeufs à feu. Puis quand t'arrives à frapper, tu envoies fort avec la frappe du crack. Ouais, la frappe du crack depuis la mage, ça t'a blindé. C'est vraiment violent. Ouh, les lancers de pièces de Pépé Sanjutsu, ça fait mal ça. Donc le simulateur qui est déjà à 2600 points de vie. Ouais, il est où? Il est là. Putain, ouais, il a perdu blindé. Il a pas. Enfin, il est pas si optique ça, je trouve, Livio, moi. Si? Ah si si, il a un... Bah là, enfin, il est en strigide. Il est en strigide. Ok, il se rapproche de cet activé. Il puisse faire ça... De sa gardienne. Je suppose en faire ou pas ça. Alors, le panda qui fait son lait de bambou pour être debuff de la retraite anticipée. Je pense qu'il va aller debuff quand même. Non, je crois qu'il va essayer de ramener Snyder ou quelque chose comme ça, avec son tonneau. Non, il ramène le SRAM. Ok. Ouais. Ouais, bon. Ouais, j'ai pas compris non plus. Ah, c'est peut-être histoire qu'il ait pas la diagonale pour pouvoir taper. Ou pouvoir mettre des pièges, quoi. What the fail. Bah ouais, moi aussi j'aurais bougé le crack et t'aurais mis le tonneau et là c'était tranquille. Enfin je sais pas, ça se trouve c'était Optis qui l'a mis, maintenant il met une masse de pièges sur moi. 5, exactement. Ah, un SRAM, ouh. Ouh, marteau de mouille. Soit je rêve, soit je vois un SRAM avec 200 d'attaque. Donc tu ne rêves pas. Non, tu ne rêves pas. Putain. C'est toujours céleste. C'est quoi? C'est le bourg céleste. Ah, par contre, le double qui a fail. Ah, oh, il l'a trollé. Je pensais que le double, à mon avis, il voulait qu'il aille là. Et il l'a trollé, il a bêtement bougé. Je sais pas si c'est moi, mais là, le stream, il avance plus. Je suis bloqué au panda. Non, de toute façon, il n'y a pas de drop. Peut-être rafraîchi, je sais pas. On verra. Sans le match nul. Ok. Bah, t'as essayé de rafraîchir la page. Pourtant, moi de mon côté, il n'y a pas de drop et tout qui fonctionne. Attends. Je vais remettre. Je me parlais avec Taz, apparemment, il scale quand même avec eux pendant le combat. Il sait quoi? Ah, il scale quand même avec sa team. Ah, quoi. Bah oui, mais il veut pas s'entraîner. Ouais, bah, moi je pensais qu'il allait carrément sans Skype. Il aurait pu. Ouais. Bah, s'il veut passer dire bonjour ou quoi, ce serait cool qu'on puisse le féliciter parce qu'ils ont vraiment bien joué. C'est pas le genre. Non, je sais bien, c'est ça le problème. C'est bien, Extase, t'as réussi à gagner un combat avec une team poubelle et t'as fait faire l'écrasante. Ta gueule. Bon, pour le moment, le problème, c'est que cette team, ça dit des deux côtés, ça va être le jardin extraordinaire avec Nicolas Hulot. Il va y avoir des poupées partout, surtout qu'il y a Ossa d'un côté. Enfin, deux Ossa, oh là là. Voici venu le temps des riches et des champs. Ça va être le pays de Casimir, tellement qu'il y aura des invoques.
Allez, on invoque. Elle plante une forêt. Le problème, c'est que c'est des beaux combats, mais putain que c'est long. Oh. Je te jure, tu mettrais la vitesse x2 ou x3, ben, tu verrais autant d'action que si c'était un combat normal. Voici mon venu, maintenant, des bites dans les champs. Des suces de l'eau, à la recherche du liquide blanc. Alors, sac animé, comme s'il n'y avait pas assez de protection comme ça. Allez, on y va. Ça, par contre, Azadex, elle prend cher. Le Sadi qui est aussi en Strigide, ouais. Avec les moins 16 de Restitique. C'est le seul problème de la Strigide. Si t'arrives à retirer ces foutus résis critiques, c'est bon. Voilà, je trouve que le Rox, on pense. Ah oui, c'est ça. Tu tapes tellement fort avec et t'as tellement de bonnes stats que limite ça passe. Pour un Sadi, je suis pas fan. T'as pas d'invocation. Oui, voilà, ouais, pour le Sadi, en fait, c'est. Ouais, mais t'as la connaissance poupesse de toute façon, donc. Ouais, mais t'as tour à vide, hein. C'est plus comme avant, ça peut changer. Ouh. Genre, ouais, les autres. Chaffer fou, c'est ça. C'était illimité. Chaffer fou, sorcier. Et Livio qui se refait tout seul. Spectateur, un gagnant. 10? Ah, bah bonjour à tout le monde. J'ai même pas fait d'annonce ni rien, donc c'est cool qu'il y ait quand même des gens. Alors, que fait-il? Le panda qui porte, il fait des épouvantes. Bon, je n'avais pas l'intérêt de faire ça, mais bon, une épouvante pour faire du moins 14. Ouais, à part ça. Strigide donne des dommages critiques. Un peu. Ah ouais, pour les gens. Tour de Tirs qui débloque Azadax et qui pourrait foncer pour aller faire des. Ouh, le fourvoiement serait tellement beau là en dessous. Non, il met des pièges d'Imo. Là, à mon avis, ça va être des petits coups, et puis à un moment, un gros Rox pour le finir. Mais... Ça va être on invoque, et puis on invoque de l'autre côté pour bloquer les invoques, donc au final, ça sert à rien. Ouh là là, moi j'aime pas les combats où il y a trop de bordel. Ouais, tu sais pas où regarder. Le mode créature il est moche. On va regarder. Ah, il le bloque avec sa propre gardienne. Ouais, bah je crois qu'on va le laisser un petit peu en mode créature parce que sinon on vous comprend rien. Livio. Arnaque. Non, c'est moche. Autour de Snyder, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va au corps, il avance, première fois que je le vois avancer. Alors il y va, non, il soigne. Pas de soin, ils peuvent quand même soigner bien. Hein. Le steamer, s'il arrive à se soigner, c'est monstrueux, il a le soin animal, t'as l'arbre de vie d'Azadex pour te soin, t'as le truc, la concentration de chakra du SRAM, bon, ça limite, ça soigne pas trop. Mais imagine un SRAM feu, ouais, ça peut être violent. Hein. Le panda est sûrement à l'arc critique. Ah oui, c'est vrai. Et on en voit pas mal des arcs critiques, hein, quand même. Oui, c'est la mode. Hein. Bah, il y a d'ailleurs en combat le roublard, un petit plus 930 à l'arc critique. Ouais, je me rappelle ça. Ouais, le panda est en sécu et type. C'est con et qu'ils aient pas refait la même team que l'année passée. En plus, ils sont qualifiés, ils sont juste en deux équipes différentes. Ça aurait fait Snyder, Azadax, et de l'autre côté, t'aurais Farrell et. Comment il s'appelle? Et Golomba. Master Rack. Farrell et. C'est DZ. Ah ouais, DZ, ouais. Le roublard OP cheat. Non mais franchement ouais, j'ai vu un des meilleurs roublards que j'ai jamais vu depuis tout à l'heure, c'est Irelia, je sais plus trop, c'est une roublard de Ruchu ou de Rosal, je sais. Je saurais même plus dire maintenant, attends, je vous jure. Elle est juste. Non, pas Rosal, c'était le match de Simette. Non mais je saurais plus te dire. Je sais pas si tu pourrais aller voir, c'était à 19h ou à 19h40, je sais plus. C'est peut-être le match qui est sur ma chaîne, je sais même plus te dire. Je sais plus trop ce que j'ai regardé, ce que j'ai filmé maintenant.
Alors, les soins pour... Ouais, en plus, il y a les gonflables qui soignent pas mal. Sinon, le Sanjutsu a pas sorti le mode 17 PA. Ouais, c'est vrai, au Gulta 1, il avait sorti un mode 17 PA 7 PM. Ou 8 PM, je sais plus trop. Donc là, Dorushu, il y a des liens de ça qu'il disait. Non, comment, il fait non, je sais plus comment c'est. C'est. I quelque chose. Je sais pas. Ouais, j'allais dire Squall, il était pas sur Sumen, ça avant. Si. Evil Squall. Si, si, ça me dit quelque chose, c'est un free toi, Evil Squall, non? Il ouais. est sur. Rikirel. Ouais. Mais sachant que j'ai fait un petit tour sur Rikirel avec ma team, peut-être que je l'ai vu là-bas, mais ce nom il me dit quelque chose. Non, il est Sumen. Ouais, il est Sumen. Ouais, c'est un Feka même, je pense. Oui, c'est un Feka. C'est un Feka. Et vous voyez plus Bouclier Baptou? Guerrier Baptou. Ouais, Guerrier Baptou. Aussi, on le voit. Moi, je le vois plus jamais. Ouais, et sur le 3. En montant, on le voit sur le 3. Avec Gara Shizu. Toi, tu te rappelles peut-être aussi devant des rues. Non, je crois que Ben, tu jouais pas encore à ce moment-là. Non, je vois pas trop. Vendiru, il y avait. Vendiru, Vendéni, Vanakri et Vendrenu, c'était une des premières teams de Sumen. Il y avait. C'était comment la team la guilde, c'était. Ah putain, je te le dis n'importe quand. C'est. Oh, c'est la team. C'est avec Sigin et tout le bordel là, c'est comment. C'est pas l'Olympe, c'est le truc qu'ils avaient avant. Non, pas Karma. Non, avant ah, Karma, justement. C'est Jean. Non. C'était... Lithium. Ouais, Lithium, voilà. Mais j'ai déjà vu ce type-là, mais... Ah ben, Vendéru, c'était un des meilleurs... Je crois que c'est le premier FK 200 de Sumens. Ou le premier perso 200 de Sumens, je sais plus trop, mais je savais qu'il y avait toute une histoire avec lui. Non, on a droit à du beau SRAM aujourd'hui, putain. Ils font des beaux enchaînements. Non, par contre, les Vita qui baissent pas du tout. Oh là 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 là. Nos quatrième tours, il n'y a encore rien eu, quoi. Par contre, je vais compter le nombre d'invoques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 invoques. C'est pas mal. Oui. Le Shimmer qui a pris une belle érosion. Parce que je crois bien qu'au début du combat, il était au moins à 4200. Ouais. Et là, il est plus qu'à 2900. Ouais, bah c'est Livio, hein, celui qui a pris les dommages dès le début. Fédé. Mais au lieu de booster, t'as pas envie de taper, non, non. Ah ben en Hermine, tu peux pas taper. C'est ça le... Ah, c'est lui qui est en Hermine, je pensais que tu parlais de Snyler, moi. Ah non, non, non. Snyler, il a un sort, non. Non, non, il a pas les RSX. Je vois les RSX d'une Automai Ball FM. 16, 9, 17. Bah, 16 O, 17... 16 neutres, 17 hauts. C'est exactement les restes fixes de les Potomai, ça. C'est pas un truc qui sonne à l'FM chez lui. Ouais, mais 16 et 17, il n'y a aucun item qui donne ça. C'est des soupas, ça. C'est du 15, du 10 ou du 20. Hein. C'est bon. Mmh.
Il y a, à mon avis, il y a ses fans et tout qui regardent le combat, parce que c'est Crépuscule d'Opaline qui stream le combat, justement. Non, Sylphane est parti en vacances, parce que j'ai compris, j'ai vu le Canal Game. On a essayé de se renseigner pour le classement, parce qu'on n'avait pas trop compris le système du classement. La vengeance de Captain Fan. Moi je dis à 23h c'est pas fini, bon on a loupé que... Ouais c'est vrai que ça va être le match nul, ça je le sens bien. C'est combien pour le match nul? C'est 20 tours, c'est ça? 20 tours, ouais. Oh là là, j'ai pas envie de voir 20 tours personnellement, hein. Non, avec l'érosion, il arrive pour la 20 tours. Ouais, moi je pense qu'avec l'érosion, il suffit que déjà ils perdent de steam. Ouais, là ils vont pouvoir... Mais c'est vrai que PP Sanjutsu était vachement boosté et il a absolument rien fait. Oui, parce que j'ai envie de dire, je vais te mettre à quand même. Et à toi? Rien. J'avais dit, j'ai une machine. Non, je l'ai dit à quoi quand même. Oui. Ben, coupe ton micro. C'est rien, je suis en train de dire ça. J'en sais rien, moi. Je sais plus, alors c'est pas... Il y a le steamer qui se casse super loin. Putain. Ah, 2004, ouais. Il a quand même blindé d'érosion. Hein. Il a... Ouais, mais bon, de là-haut, plus personne ne touche. Hein. Ouais, non, je sais bien, mais bon, suffit que... Suffit que pour que, voilà. Ouais, c'est Azadex qui va ramasser. Mais je pense que le mieux à faire, c'est Snailer en premier, hein. Coûte que coûte. Hein. Tu vas le chercher, tu le tapes, il sait pas se barrer. Et bon, ok, il a des résistances de malade, mais ils ont un panda, quoi, donc... Le truc, c'est même avec deux vulnés dessus, il aura quand même des résistances supérieures aux miennes, t'imagines. Avec du moins 30%, il aura plus de résistance que mon roubleur. Une attaque mortelle sur le SRAM. Un piège mortel. Comme c'est une SRAM R, il est obligé de se mettre dans la ligne, donc c'est bien joué. Bon, enfin un SRAM terre, voilà. Non, il va lui mettre... Non, il revient sur Azadex. Ou Azadex qui se prend pas mal d'érosion et qui a pris quand même pas mal de dommages là. Vous avez quoi comme pronostic? Vous voyez 4 ou Rikirel? Bah là, Rikirel gère. Je vois Rikirel gagnant. Finalement. T'as Snailer qui se met au corps à corps, c'est du jamais vu ça. Oh putain! Il n'y a pas le choix, là. Voilà, crapaud. Fait une résistance naturelle et prend 4000 PV, allez. Il bouche la ligne de vue carrément là. Je vais retirer un truc qui s'est affiché l'ordre de passage parce que comme j'ai masqué les invoques, ça fait n'importe quoi. Afficher l'ordre de jeu, voilà. Parce que sinon le Sadie était 22, l'Osa 14, l'autre 13, puis l'autre 11, ça ressemble à rien. Alors Dragonné, boosté, ou coup critique, crapaud. Et je comprends pas pourquoi les gens ils s'amusent à mettre des crapauds sur le Dragonnet. Il a déjà des résistances de malade et il fait pas tant de dommages que ça. Oui, mais il a que 480 points de vie. Ah ouais, ça a blessé ça. Putain. Ouh, il a one shot le. Oh, il a one shot le crack. Oh putain. Mais ça avait beaucoup plus de vie que ça avant le Dragonnet. Non. Non. Il a toujours été dans ce zone. Ouais, je pensais. Par contre, le Rox a été vachement doublé. T'as vu, il a fait du 686 sur le crackler. Bon, d'accord, il y a moins 20%, mais quand même. Donc là, par contre, Majin qui est en train de prendre très cher. Et 4 qui a retourné la situation en leur faveur et qui sont en train de. De s'en sortir pas trop mal. C'est un peu équivalent en fait. Chaque team a un perso avec un peu moins de vie. Sinon, allez, on invoque comme si on avait déjà pas assez.
On dirait vraiment un jardin. Hein. Il y a des carottes, il y a des arbres, il y a des cailloux qui bougent. Bon, ça c'est peut-être pas. Mais... Il y a des nains de jardin, c'est une trophe. Après, il y a des poupées de ta fille qui les a déposées dans le jardin et qui ont oublié de les ramasser. Il y a des pots de fleurs. Il y a des sangliers qui viennent labourer le terrain. Ouais, non, il y a vraiment... Ouais, non, il y a vraiment des trucs. Si tu veux aller dans ces eaux-là, je peux continuer. Voilà. On tape la map sur nos tactiques pour voir ce que c'est. En plus, c'est un jardin. Excellent. Map ni les âmes avec des arbres déjà, tu vois. Ils participent au... Excellent, il participe au décor. En fait, c'est pas un combat qu'on est en train de voir, c'est un mapping. Ils sont en train de créer une nouvelle map pour Free Ghost 4. Oula, par contre, oula, diagonale. Fouen, oula, là, là, là. Le Ressac est super chiant. Ah, il a que 20 de résistance de poussée. Mais bon, il est R, donc il va pouvoir se barrer sans souci. Ça va être au panda, il pourra rien faire. Voilà, il le bloque. Parfait. Je pense qu'avec 204 de taxes, je pense qu'il est là. Ouais, non, ça y a pas de souci. J'aurais plus dit que c'était Azadax qui était dans la mer, mais bon, au final, c'est un peu. Eugene. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on verra pas de victoire écrasante, ça c'est sûr. Et tu vois, c'est... en fait, Snyder, c'est pas le fait qu'ils veulent pas aller au corps à corps, c'est qu'on l'empêche d'aller au corps à corps. Ils vont le mettre en bas ? Eh, bien joué ça. Ouais. Et il remet Sigyn de l'autre côté. Florida. Non, c'est Sigyn. Jean, que c'est pas Sigyn, ce que je dis. Sigyn, c'est sur Sumex. Sigyn ou Sigyn, je sais pas comment. Ouh là là. Fais-le tomber. C'est con hein, qu'on puisse pas faire un truc pour faire tomber les personnes de la tour. Et il tape les deux, le deux. Comment il peut le faire tomber? Il le pousse. Mais non. Hein. Ouh là, par contre, Azadex va prendre cher. Boum. Allez, encore. Un coup de cake. Oh, moins 4% en plus qu'elle a, Azadex. En terre. Mais tape terre, imbécile. Mais non, mais il est sous magie. Ah ouais, c'est vrai. Avec 210 de tac, comme je disais tout à l'heure. Ça fait 2000 d'agi, ouais. Ouais, on enlève... Ouais, on enlève le truc. C'est con qu'il n'y a pas le bonus de l'almanax, là où toutes les panneaux avaient les bonus x2 et tout. Tu pourrais faire des combats totalement abusés. Ouais, t'as pas joué ce jour-là? Totalement abusé, hein. Là, malheureusement, j'étais pas là quand c'est arrivé, mais j'ai vu des vidéos des gens qui avaient fait ça. Ils faisaient des teams avec 8000 prospections, des machins comme ça, ça ressemblait absolument à rien. Moi, j'ai pu en profiter pour passer toute ma team au ventre. Ah, ben. Ah, c'est ce bug-là que tu parlais tout à l'heure. Que tu me disais, ouais, il l'a fait en 6 tours, c'était avec le bug. Ouais. Ah, non, non, Dofuxia, il l'a fait depuis longtemps quand même. Il a pas de... Oui, enfin, tous les duos qui ont été effectués, c'était grâce au bug. Hein. Je crois pas qu'il y en ait un seul qui réussisse sans le bug. Hein. Non, encore aucun. Non, non, mais lui, il l'a fait à 8, mais en 6 tours. Ah. Mais je crois que c'était pendant le bug, de ce que j'ai non, fait. Non, c'est bien avant. Ça, je suis sûr et certain, il l'a fait bien avant. Alors ouais. Avec le bug, il y a peut-être moyen de faire ça. Oh putain, Zadex, la pauvre. T'es légèrement bloqué, ma fille. Ben. Azadax, tu vas prendre. Allez, le bouffe tout. En plus, c'est apesanteur qu'elle peut rien faire. Ben, elle pouvait déjà rien faire à la base, tu vas me dire. Mais... Oh là là, elles sont pliées. C'est la fin de Azadax. Ouais, Azadax qui va tomber, à mon avis, dans pas longtemps. 900 HP. C'est moi ou le sap à jouer? Si, si, et ouais. Il a fait quoi? Ah oui, il avait invoqué, je suis con, j'avais oublié. Alors, c'est au tour de.
de Nasdaq, c'est quand même bloqué. Au final, ça n'aura pas fait grand chose à part essayer de se barrer. Mais bon, c'est... en plus, elle a le vertige ou quoi sur elle. Donc, si elle utilise des PM, elle va perdre de la vie. Ouais, un PM fait perdre 10 points de vie en feu. Donc, si t'as un minimum de dommages feu, ça peut monter vite. Ça rock très fort, en tout cas. Un PM. Mais il a allé se bloquer tout seul. Oh, joli. Ah. Ah, elle a même pris 0 comme elle en était invulnérable. Hein. Ça, c'est pas mal, hein. S'ils arrivent à faire quoi que ce soit pour les repousser et pour la ramener, il y a peut-être moyen qu'elle survive, mais bon. Ah ouais, c'est vrai, il y a les debuffs. Au moins, ils utilisent des PA en plus, hein. Ça c'est bien. Est-ce que c'est utile de debuff maintenant? Ben non, ça sert à rien. Use pas tes PA pour ça, tape les autres. Voilà. Allez pépé. Allez pépé. C'est Sumens qui domine, t'inquiète. C'est vrai que c'est, ça aurait été utile de péter la Gossam. Ouais. Et le Kramasutra, il est pas là cette année-ci. Non, je joue plus. Il a... Il jouait son roubleur tout à l'heure. Oui, et Vuntar, mais je l'ai vu connecté tout à l'heure, mais il joue plus trop, quoi. Bah, il m'avait appris 2-3 moves en PVP au début. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il a créé après moi le roublard, et on l'est, enfin, je sais pas, vers des niveaux 100, on était niveau pareil, et puis il a légèrement dépassé. Donc on avait fait 2-3 colis, il m'avait appris des trucs. Il y avait un bug, et le roublard 10 et le roublabot, tu pouvais... de te rendre invisible en fait, et que quand tu fais tes doubles, et bien que ce soit 4 doubles et que toi tu sois encore à un endroit différent. Et puis ça a été corrigé, mais en fait, ça que l'avait fait, c'était marrant. T'as un vertige sur un panda, j'avais pas pensé, ça peut être tellement abusé. Il y a combien de vita d'attaque sur le maximal là? Vita max 3186. Mmh, 3100, ça veut dire voilà, que debuff. Il va être invoqué, il va le être à 2005 à peu près, je pense, non? Non, ben non, ils l'ont débuff donc il a pas eu le soin. Non, mais quand il va le réinvoquer, quand il va mourir. Ah réinvoquer. Oui, il peut le réinvoquer. Quand Spider va le réinvoquer, il se mange de l'érosion encore. Donc oh, il va le réinvoquer. Si, bah si. Ça vit à max, elle va rester à 3000. Ah non. Non, donc moi, quand je l'ai déjà réinvoqué, mon perso a 1 sur 1. Donc il avait pas fini, il était pas mort avec 1 sur 1. Non, non, tu perds de l'érosion quand t'es réinvoqué. Bah, tu perds beaucoup de vita max. Je vais finir maintenant, pas d'intérêt. Mais non, ça sert à quoi, l'Ossa va pouvoir le réinvoquer. Non, il va finir maintenant le... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'ils arrivent à en tuer deux en un tour, tu vois. Mais là, maintenant qu'elle est débuff, le problème, c'est qu'elle va faire des dommages. Donc, ouais, non, ils vont le finir. Non, faut pas le tuer. Il lui reste... Ouais, faut pas le tuer. 89 PV, c'est bon, c'est le bouffe-tout qui va le finir. Combien de vie là, t'as accès à 2900 à peu près? 3107 maximal. Et il lui reste 89 PV, mais le bouffe tout ou quelque chose comme ça va le finir. Dans le sanglier. Je pense que Smiler va tuer Azadax. Ouais, Corbeau Résu. Je pense qu'il va faire ça et ce serait le mieux à faire. Ouais, comme s'il peut jouer son prochain tour. Ouais. Y a tout le monde qui met ça, Corbeau. Ouais, voilà, Corbeau. Par contre là, ça va être le jardin botanique qui va se vider un petit peu. Voilà. Alors il réapparaît avec combien? 1858 sur 3000, ouais, 3100. Ouais, il a gardé l'érosion en fait. Ouais, je m'excuse de rendre de la merde. Combien de vie là? Max 3097. Tu vois, il a pas perdu. Vitamax. Ben si, il a perdu ce qu'il avait à la base. Enfin, il a gardé quoi, la Vitamax qu'il avait juste avant de mourir. Oui, ben ouais. Je sais pas, mais. Ben, ça a été corrigé, peut-être, hein, parce que les mailles s'y font. Ouais, je sais pas. Et on est qu'au 7ème tour, hein. Ouais, surtout qu'il y a encore la régie d'Adafed après. Ouais, c'est ça. Pas dans un aérien, ça ne fait pas. Là, il aurait déjà pu reconstruire son sram deux fois.
C'est vrai que l'Osram, il est quand même assez mal. Hein. Et ouais. Pepe Sanjutsu, il a perdu pas mal aussi. C'est vrai que les 4 là, ils sont bien partis, même si bon, ils ont un mort, mais au moins ils sont de leur côté, tu vois. Un Nasa qui soit pas. Ouais. Ça pue un peu, hein. Le nul, on est encore loin. Le tour 7 est de un mort quand même. Faut voir. Personne n'a compris le moment où ils ont amené Snyder de l'autre côté. Comment ça? Quand il a rebalancé? Ouais, quand il a rebalancé de l'autre côté. Bah, c'est vrai qu'ils auraient tout leur côté, et avec Pépé et le Sram. Je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Ça sert à quoi de focus le ça alors qu'on peut en entamer les autres? Ouais, c'est vrai. Mais il y avait le SRAM aussi qui était mal. Ouais. Mais ça va, il y a. Par contre, je vais remettre mon gros silo, il fait beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Ah oui, et puis on vous avez combien de degrés? Quand aujourd'hui là? Ouais, là tout de suite. J'ai pas de temps à prendre moi. Je veux dire, bah, il fait pas ça, il fait frais. Putain, vous avez de la chance ici. Pouah. Quoi, t'es où? Ah, la campagne, moi, près de Namur. Ouais, c'est la même chose partout. Hein. Oui. C'est hier qu'il faisait chaud. Ouais. Et hier, ouais, ouais. Tu sais qu'à Namur, on a eu la plus grosse température de Belgique. Ouais. Ah ouais. Putain, je que j'ai cru. Mais vous êtes en Belgique, c'est rien. Imaginez-vous dans le sud de la France. Ouais, mais eux ils sont habitués. Nous on passe de pluie, 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 pluie. Limite on a eu des grelons il y a 2-3 semaines et puis boum, maintenant c'est le bordel. Là par contre le SRAM il s'est fait avoir. C'est plus gros que le SRAM de l'équipe de Edat. Ouais, il est assez mal mis quand même. Je sais pas si c'est lui ou si c'est un double qu'elle a bloqué par l'appel animé. Et en plus, Ekat a toujours la coop de l'attaque Tyrell, donc c'est bizarre qu'il l'ait pas utilisé. C'est tellement bien ce truc. Donc là, ils vont balancer le SRAM. Voilà, ils vont s'occuper du SRAM maintenant. Et bon, le SRAM, c'est un peu plus dur à tuer. Non, mais un SRAM corrupt. Là, je passe en sortie vivante. Il a pas mis de vulné. Si. Oh putain, il a moins 20%. Oh là là. Il y a un métagique qui va venir allumer là. Oh putain, oui, ouais. Attention. Arnaque. Arnaque. Cac. Oh là là. Ah ben voilà, il paye grand duc. Ah. Il est bien grand duc. Ah, il a mimé de life quoi. Oh putain, ce qu'il lui a mis. Ouais, ben c'est la fin des cartes. À voir. Moi je dis Ekat est plein de ressources et moi qu'il fasse ce qu'il veut. Il y a les Junis, ben ouais, mais bon. Pas comment ouais. J'adore. Bah, Grand Duc, il n'y a pas de mystère. En fait, Snyder, je sais pas ce qu'il fout depuis tout à l'heure, mais. Des corbeaux à l'autre bout de la map, c'est génial. T'as perdu autant de vie en bougeant. Ouais, il s'est pris à moins 500 avec le mode silence. Piège de silence, pas mode silence. Ouais, surtout sur une SRAM R, quoi. Putain, ça fait trop mal. Le stream là, il a encore la montée. Ouais. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à faire voir. Ah ouais, il y a eu des petits drops. Le crackler qui tape du 250x2. Bah ouais, hein, il a moins 20% de rési. Tire, c'est pas mis. Quoi, là, bah, en gros, il y a, tir, y a les invoques qui ont été invoquées autour de Tirs pour pas qu'il puisse se tirer. Et le crackler a fait deux fois moins 250. Mmh. Et le bouffe tout, je sais pas ce qu'il a fait. Le bouffe tout. Par contre, ils ont pas mis des réseaux sur Tirs. Bah, ça sert à rien, hein. Il est sous corrupt et tout, et là il est totalement bloqué, ça aura rien fait.
sachant qu'il va. Bah ouais, mais après, peut-être que Lausanne en ferait sud. Mais il n'y aura pas le temps. C'est quand même dans 7 tours, Benet. Ouais, bah, si le jeu est nul. Ouais, c'est vrai. Tour, ils ont le temps, hein. Avec le team là-haut qui est un peu mal en point niveau Eurozone, justement. Ah, bien joué. Mais il était quand même déconnable de l'autre côté. C'est quoi un arc de vie qui lui a mis, non? Non. Et ouais, cette faute, bon. PP sans du dessus. Mais putain, pourquoi tu fais ça? Fallait le taper, il avait pas beaucoup de vie. Un petit. Il a bloqué PP. Mais avec la chance, pour le soutien. Oh là 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 là. Ils veulent pas qu'il se casse. Ouais, non, Eric Kerel, il joue vraiment bien leur coup. Mais en même temps, c'est PP sans du dessus. Hein. C'est un des meilleurs ennemis du jeu. Faut pas. Niveau PVP, je pense qu'il n'y a pas. Il y a pas meilleur, je crois. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu des meilleurs jusque-là. Par contre, Robin, il y a Kenji qui m'a parlé d'un ennemi, c'est Holy Chèvre. Il paraît qu'elle est totalement abusée. Oui, je l'ai vu en action sur la bêta, sur... Ouais, mais elle a abusé dans quel sens, en fait? Parce que j'ai regardé un petit peu du combat qu'ils ont joué, elle a pas fait tant que ça. Ben, il sait bien sa place. C'est vraiment... Et il joue quoi, feu ou air ou eau? Ben, il a plus en mode, hein. Ah ouais. Là, il était... Sur son dernier match, il joue en mode 5000 vita, des restes de ouf, et un soin de porc. Je sais pas si tu vois le truc. Ah ouais. Un ennemi cheat, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Là, je l'ai pas coupé. Du coup, il va pas pouvoir... Wow. Oh, putain, oh, le soin. C'est vraiment trop cheaté, ça. 1200. Il reprend le machin. Pas mal. Ah, mais le SRAM peut quand même pas bouger, en fait. Mais... C'est un peu cheaté, ça, ça. Hein. Même le modo, il a fait mal Java, il a fait. Oh bon. Il a fait les yeux là. Putain, Ricurel, ils sont en train de mettre une de ces daubes avec 4, mais oh là là. Je connais beaucoup de personnes qui vont perdre des 4 dragons. Ouais, bah non, moi j'avais parié sur Ricurel, donc je m'en fous. Ah, pourquoi, mais. Ah, est-ce qu'il a les pour aller... Ouais. Quand j'ai regardé en direct pour aller voir la cote, Ricurel et 4... Ah non, j'avais pas parié. La cote de Ricurel, c'était 2,74 et 4, 1,88. Et 8. Sous l'épée des l'épée grands ducs. Ouais, Azadax qui va repasser... Non, ils vont focus Nailer maintenant. À moins qu'ils jouent le match nul, mais... Non, pour moi, ils ont 11 tours pour tuer. Ouais, non. Les gens qui disent une invoque de moins, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime pas les teams Sadie, quoi. Ça fait presque une heure que le combat a commencé. 47 minutes, là, à peu près. Mais là, le panda a les PM pour aller chercher Snyder. Ben ouais. Bah, il peut ramener les deux, il peut ramener Azadax et Snyder. Ah non, il prend la gonflable, il la balance, il prend Azadax, il la tape derrière, comme ça, elle doit user des PM en plus. Il fallait donner les PM au panda. Oh, mais le panda, il a le panda dans le cul, donc il s'en fout. Ouais. Même sans mettre le pan dans le cul, il peut aller chercher sans problème, là, déjà. Le samedi, je vois pas. Je vais bien répéter. Voilà. Il est stable, la Florida. Eh ouais, ils sont sous retraite anticipée, en plus, donc il peut rien faire. Il a moins 89 PM. Ah, c'est cool, ça. Et en plus, c'est là. Non, il se débuff. Ça va, il se débuff. Il va peut-être mettre Slyler en arbre ou un truc comme ça, je sais pas. Il a essayé d'enlever PM, ça passe pas.
une surpuissante. Qui enlève pas. Il a les PM pour aller chercher Snyder. Voilà, sans souci, là il peut aller chercher. Il peut même aller le chercher le vulné, je pense. Ouais, c'est cool pour ça, pour le 4 là. Ça c'est clair. Bah, franchement, Rick Urel qui fait un match de fou. Ah, allez, les PM sur. Oh putain, ouais, il va même faire le tour. Il s'en fout. Il arrive, il vulné, il balance. Botte de Pandore, il se soigne. Enfin, franchement, il joue vraiment bien quand même. De le soigner au secourisme, mais ça sert à rien de le soigner lui, hein, malin. Et n'empêche, ouais, le steamer c'est un survivor, hein, n'empêche. Il n'est pas passé loin de la mort et ce jour-là. Bon, il fait rien depuis 3 tours, mais. Ah, ça c'est bien joué par contre. Mais sachant qu'il a les PM, il a les PM pour faire plus court. Ouais, mais l'attaque tirée va leur pousser donc. Non, non. On va un petit tour de ça. Ah non, il est stable. Ouais, il va le vulner, il va aller le chercher. Ouais, il fait le tour. Voilà. Ça se porte une autre. Non, c'est ouais, un déplacement. C'est la clé, à mon avis. Ah non, non, les tourelles ne se portent pas. Mais pourquoi il n'a pas vulné? Quoi? Pourquoi il n'a pas vulné? Ah si, il va le faire pendant le cul. Non, il peut pas. Il lui a mis vertige ou pas? Non, il a pas vertige. Putain, il a tellement mal joué son tour. J'ai pas compris là. Ben, moi perso, j'aurais fait portée, vertige. Non, t'arrives, tu fais deux vulnés, portée, vertige, balancé. Et je ne sais plus rien faire. Oh là là. Imagine qu'on voit la sauce. Légèrement bloqué le snail, légèrement. Il va balancer des frappes des cracks. Ouais, c'est vrai qu'il a la zone. Il peut quand même rien faire. C'est fini. Dans Slider, là, il sait bien que c'est fini, à mon avis. Ok, le crack qui focus le tonneau. Tour d'Ada Fédé. A mon avis, prochain tour, il n'y a plus de Snyder. On retiendra un beau tour du crackler pour ouais, c'est vrai. C'est important de taper le tonneau, c'est sûr. Un petit problème de Skype, à mon avis, c'est Robin qui a encore bugué. Même le dragonnet qui se fâche sur Snaily. Eh ben, les 4 cette année-ci, ils sont pas au rendez-vous, hein, punaise. Bah, ils ont pas fait des grosses teams. Hein. Bah ouais, bon, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont pas fait la même team que l'année passée, quoi, ça allait tellement bien. Ok, les trucs étaient super longs, mais ils gagnaient, quoi. Moi, et en plus, Sumen s'est avait battu, non? De gagner une fois, c'est pas mal déjà. Je crois que Sumen se les avait battus et puis ils ont plus perdu un seul combat. Il me semble que c'était comme ça. La team avec Sulfu. Tu te rappelles quand on avait été transformé en Sulfu? Non, mais bah, non. Ils ont pas battu Snyder. Et je suis presque sûr qu'il y a Sumen qui a battu Snyder l'année passée. Faudrait ah non, non, franchement, je pense pas. Parce que non, non. Sulfu a pas joué contre lui, je suis sûr. Non, mais peut-être pas Sulfu, mais une autre team. Oh putain, bah, tellement cher. C'est qui a gagné? C'est la team Boubal a gagné. Nous, on a pas joué contre lui. Parce que c'est comme team. La team Sacré a pas joué contre Snyder non plus. C'était pas la team avec Kramasutra. C'était pas Eva Kram, c'était il y a 2 ans. Mais non, je sais plus. Mais Krama, il a joué l'année passée, non? Non. Il a pas joué avec son Boubla. Non. Elle passait au blast c'était Slack. Ah ouais, c'est vrai.
Waffles. Ouais, Waffles. Waff, waff. Même j'avais fait des défis avec lui, je les avais mis sur YouTube. Au tout début, je le battais. Puis j'ai vu ce qu'il est devenu. Ringueur. De quoi? Désolé. Point. Quoi, il s'est fait hacker? Non, c'est Waffles qui a hacker, je sais pas. Ah. Allez. Ils mettent tout sur Snyder. Il y a déjà plus que 1000 de vie. Tu vas voir, Azadak, ça va le faire. Ça va être le double kill. Il y a les invoques qui vont encore se barrer. Ça, ça va être bien. Allô, allô? Oui. Ouais. Il crie Grand Duc. Ouais. Oh, et voilà. Snyder qui tombe. Ainsi qu'Azadak. Là, il y a la map qui est en train de se vider. Là, ça fait plaisir. Et donc, 11e tour, il y a Rickerel qui se retrouve à du 4 contre 1. Et à tous les gens qui ont parié pour Rickerel, ils font Mechajol, génial. Mais tant mieux, hein, je vois plus l'intérêt de laisser tourner, il peut se suicider, ça sert à rien. C'est pas que... Ils ont évité l'écrasante, c'est ce qui compte. Je pense que Thomas, des Dofus, ils vont être tous liés au compte d'ici peu, à mon avis. Ben, je trouve ça pas mal parce que il y a des Dofus, genre le Vulbis et tout, je trouve qu'il y en a trop peu. Bah moi justement c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est bien, mais tu vois maintenant avec les trophées et tout ça, ben tu peux pallier le truc pour avoir un petit peu, enfin un trophée PN, tu perds 30 tacs, 38, ça pareil quoi tu vois. Ouais bah ça dépend des classes aussi hein, mais... Ouais ouais mais bon c'est vrai que l'opti c'est toujours avoir les Dofus et tout ça, mais c'est vrai qu'avec des quêtes et tout ça, enfin je préfère. Au moins ça redonne ouais. De l'intérêt au jeu tu vois parce que. Bon, je préfère ça plutôt que comme maintenant, je préfère comme ça maintenant. Ou alors faire des Dofus à raquette et des autres drops en blanc, on a l'ocre et la raquette. Et ouais. Puis c'est des drops quoi, tu vois. Ouais, que tu fasses la quête mais que tu puisses le revendre après, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a tellement de commerces en France. En fait, je crois qu'ils font ça pour essayer d'arrêter les commerces par rapport au. Oh le foudroiement. Non, pour éviter qu'ils arrêtent les commerces inter-serveurs avec les Dofus et tout ça, je crois que c'est juste pour ça en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils viennent sur, par exemple, Sumen, s'ils achètent des ocres, ils viennent, enfin, sur les autres serveurs, ils viennent les revendre ici. Bah ouais. En même temps, ouais. Moi, je suis pas trop pour, moi, je préfère laisser le système comme il y a maintenant. Ouais, bah on verra bien. Un sourire pour ouais. La caméra. Boum, épée Grand Duc, et c'est la fin. Donc victoire de Rickerel en 51 minutes et en 12 tours face à E4, donc Snyder et Azadak qui tombent malheureusement. Ben voilà, c'était un assez beau combat, un peu long, mais c'était pas mal à le commenter. Ouais. Donc on va couper la vidéo ici, on va se dire au revoir pour aujourd'hui, pour le jour 6 du Ghoul Terminator. On se retrouve demain. Merci Ben et merci Robin d'être passé. Peut-être qu'on se reverra pour la suite, il n'y a pas de souci avec ça, on verra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, salut à tous. Salut. Yeah.